Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est FM Grant. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière Zéro Talent, Zéro Contrat. On s'était laissé sur les matchs de Marseille avec la défaite 1-0 à l'extérieur. On avait gagné face à Amiens et hors vidéo, je devais faire le match contre Guingamp. Ça s'est mais pas du tout, du tout, du tout bien passé. C'est-à-dire que j'ai voulu faire tourner l'effectif, mais l'effectif n'était pas du tout dans leur match. On a pris 3-0. Donc, ce qui veut dire qu'on est classé 6e en Ligue 1. Voilà, on a pris énormément, énormément de retard sur les concurrents au titre. On a 5 points de retard, donc il va falloir faire en sorte de corriger le tir. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pour l'UEFA Europa League face au Shakhtar Donetsk. Donc là, on va passer directement au match. Voilà, on va leur dire qu'on attend un meilleur résultat. En espérant faire un grand grand match. On est premier de cette Europa League. Enfin de cette phase de poule. On va en demander plus directement. Allez, Da Silva. C'est directement dans les bras de Karius, l'ancien gardien de Liverpool. C'est bien, on récupère avec Niakate. Niakate qui passe la balle à Peterson, qui change de côté sur Cornet, qui donne à Castagne. Castagne Kubo, et c'est sur le poteau. Ça sera un corner pour l'OGC Nice. Allez, Cornet dans les bras directement de Karius. Allez, Junior Firpo pour Fernando. La volée qui s'empare de ce ballon correctement et qui dégage sur Cornet. Cornet sur Castagne. Castagne directement sur le côté droit. Cassian qui fait la différence. C'était sur la tête de Sandel. Ça passe pas très loin. Karius qui va dégager ce ballon. On peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'occasions dans ce match. On n'est pas à l'abri d'une défaite, donc il faut faire les choses correctement. On est à l'extérieur en plus. Niakate qui envoie loin devant. Allez, Fritzon qui récupère. Fritzon. Bien défendu. Cornet pour Fritzon et c'est le premier but de ce match. But de Joël Fritzon. 1-0 pour l'OGC Nice. On est bien là. On est très très bien. Faut continuer sur ce rythme là. Nos deux défenseurs centraux qui prennent un carton jaune. Allez, Brozovic. Oh, qu'est-ce qui m'a fait. La Vallée qui s'est complètement troué. Niakate aussi. Pas de faute, il a déjà un carton jaune. Allez, sortez-moi ce ballon, sortez-le. Bien joué. C'est renvoyé devant. Repris par le Shakhtar Donetsk. Oulala, Atal sur le côté. Le but de Youssef Atal directement dans la lucarne. La volée était complètement battue. Faut vraiment qu'on se sorte les doigts là. Allez, mi-temps. On va leur dire qu'on n'est pas du tout mauvais. Il faut reprendre cette deuxième. Ah, Vidiçan blessé. On va pas prendre de risque. Brazao qui va rentrer. Florent Da Silva qui fait un mauvais match. Là voilà, comme ça. Takefesa Kubo qui va sortir, je pense. Non, on va faire comme ça, on va laisser Da Silva au milieu de terrain, voilà, on va plutôt partir comme ça. Allez, Castagne pour Shidera. Shidera, putain, Shidera, bien joué. Il se rattrape en récupérant ce ballon, Peterson sur le côté gauche, qui va faire la différence, on connaît ses qualités de dribbleur et de centreur. Frizzan était sur ce ballon.
Allez, on va leur en demander plus. 61 minutes de jeu. Allez, il se passe plus grand-chose. On est devant au niveau des tirs. 17 pour nous, 2 pour eux. 5 tirs cadrés. 2 pour eux. Allez. Ça leur a rien fait. On va sortir free zone. Non, on va sortir cornet pour faire entrer un Noah Cross. C'est bientôt la fin de ce match. Allez, Sundell pour Shidera. Allez, Fritzen qui récupère ce ballon. Qui lance Peterson et c'est au fond. Le Riscarus qui se trouve. On reprend l'avantage à 3 minutes de la fin du match. Non, 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 pas comme ça. Non, pas comme ça. Allez, dégage-moi ça, Castagne. Dégage ça. Allez, Fritzen. Fritzen, dernière action du match. À mon avis, il fait la différence. C'est dans les bras de Karius. C'est fini, monsieur l'arbitre. Allez, Castagne qui reprend. Pas de bêtises. Bien joué, on garde ce ballon. C'est la fin du match de toute façon. Allez, dernière occasion. Et c'est fini. À mon avis, c'est fini. Peterson qui va faire cette touche. Pour Da Silva. Pas de bêtises, les gars. Pas de bêtises. Oui! Victoire de l'OGC Nice. Ça a été chaud. Ça a été très 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 chaud. Mais on garde cette première place. Vidicen blessé 3-4 jours. Timothy Castagne blessé aussi. Youssef Attal qui a fait un très très gros match. On a reçu 570K. Allez, maintenant faut faire un bon résultat face au Stade Brestois 29. Faut vraiment qu'on arrête de faire les contre-performances en Ligue 1 parce que ce match de Guingamp, on devait le gagner. On ne devait pas prendre 3-1, 3-0 même à domicile. C'est inadmissible. Bon, la victoire 2-1 en Europa League l'enlève des esprits des dirigeants, mais bon. Mais faut faire attention, faut faire attention. Va falloir se retrouver directement là, faire une bonne performance. Hop là, alors ça. Ouais, on va faire des changements. Camus sur le côté droit. Juan Jesus dans l'axe avec Félix, Da Silva, Cyprien, Kubo, Ounas, Eduké et Fritzen. On va faire cette composition, je pense. On va aller voir les bureaux des emplois, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, problème de calendrier, on s'en fout. Résumé, on s'en fout aussi. Beşiktaş concédé 4 buts en 2 matchs en UEFA Champions League. Alors, 4 joueurs rappelés en sélection, Algérie, Mali, Nigeria et Brésil. Oh! Joël Fritzen qui est appelé en équipe du Brésil, ça c'est très 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 bien. Ouais, très bien, courage. Ouais, très compétitif. Ouais, il a quand même une très très belle fiche, hein. Je suis bien content de l'avoir recruté.
n'a pas répondu aux provocations. Allez, bientôt le match face à Brest. Désolé, le temps de chargement est très long. Ouais, très bien, très bien. On peut voir que l'équipe U19 joue aussi. Ouh, l'OM qui prend 5-2 face à Reims. Picard. Il a l'air vraiment pas mal ce joueur. On va l'observer. Combien de buts il a mis en tout? 9 buts en Ligue 1 Conforama, 2 fois homme du match. Ouais, il fait une très très bonne saison. 15 en accélération, 16 en vitesse. Collectif 17, détermination 19. Bon, dommage qu'il soit pas trop trop réputé. Mais ouais, je pense que on va le suivre de près quand même, ce petit joueur. Va falloir faire attention à tout ça. Allez, donc on a dit qu'on allait partir sur ce. Oh, Castagne, je suis pas sûr de le mettre. Ah ouais, non, on va pas le mettre. On va pas le mettre du tout. Voilà, ça, on va faire ça comme ça. On va mettre Juan Jesus, Cyprien, Kubo, Cornet, Ounas. Qui c'est qui est pas trop trop en forme là? Cornet. On a beaucoup beaucoup de. T'es, je vais essayer. Je vais essayer Schmitz. Il sera mieux là comme ça. Voilà. Da Silva, on va le mettre sur le banc. Et je vais laisser un petit Noah Kroos pour que Friedson se repose un peu quand même. Et on va partir pour ce match face au Stade Brestois. Hop là, voilà. Oulin Cyprien qui prend déjà un carton jaune à la 5e minute de jeu. Romain Perrault lui aussi à la 12e. Ils sont nerveux en face. Faut qu'on arrive à prendre le dessus maintenant. Ou Cornet. Pour Schmitz. Je le sentais bien, Jérémy. Premier but de la saison. Excellent, premier but de Jérémy Schmitz. On est bien là, on prend l'avantage directement en première mi-temps. Ça va être la fin de cette première mi-temps. Voilà, chose faite. On va leur dire qu'on est content de continuer sur ce rythme-là. On va changer Maxwell Cornet. Voilà, en faisant rentrer Fredson. Voilà. Fredson qui a 90% de sa forme, donc bon. Allez, on va en demander plus. La volée qui dégage sur Félix, qui trouve Cyprien. Allez, Schmitz, qui lance Fritzen. Ouh, Fritzen qui loupe son 1 contre 1. Cyprien au coup franc. Ouh, c'est dommage. Cyprien qui a le ballon de nouveau, qui va sur Schmitz. Camus, Peterson, Schmitz. Juan Jesus qui préfère aller derrière avec la vallée.
Allez, Camus sur le côté droit. Pour Cyprien dans l'axe. Cyprien qui fait la différence. Qui préfère trouver cross. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Très belle action. Allez, cross, bats-toi. Pas de faute, tu as déjà un carton jaune. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Allez, ça tourne correctement. Ouh, la frappe de Fritzon qui s'écrase sur le poteau. Allez, Fritzon qui lance cross. Oh, cross, qu'est-ce que c'est ça? Pas de faute, pas de faute, parfait. Allez, Cyprien, tout seul. Oh putain. Bon, au moins, on voit de belles choses. On va faire des petits remplacements. Niklas qui va rentrer à la place de Adamounas. Et on a Kraus qui va sortir. On va faire entrer un Benoît Laurent. Allez, Kubo. C'est dommage. Cyprien qui peut se retourner. Voilà, parfait. Oh, c'est dommage. C'est dans les bras de l'arçonneur. Bien joué. Sundell qui peut repartir. Qui fait une bonne passe pour Fritzon. Fritzon qui se heurte à l'arçonneur. Allez, Kubo au corner. C'est dommage, très belle action. Castroman, bien joué, c'est bien sorti. Allez, Kubo. Pour Laurent, sur le côté droit. Qui peut faire la différence? Qui fait la différence? Peterson. Peterson sur Sundell. Oh putain, c'est qui lui? Castroman. Ouh la vallée. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Oh, Sundell, pas ici. Hein. Bien joué. C'est une victoire, mais à l'arraché, vraiment. 1-0, même si on est à l'extérieur. On va leur dire ça, mais on n'est pas totalement convaincu là, quand même. C'était un match compliqué. Hop là, un Schmitz. Ouais, il a fait un très très beau match. Qui est au club depuis 2022. Voilà, acheté pour 650K. Il a eu sa chance pour la première fois cette année. Qui a beaucoup joué en deux depuis déjà 2 ans. Non, on est quand même bien là. On a 5 joueurs à surveiller. Défenseur central, oui, mais vu que c'est un Brésilien, on peut pas le prendre. Milieu gauche, milieu offensif. Noah Crétier. Ah, un défenseur gauche, ça va nous aider. Que ça va nous aider. De toute façon, il va falloir qu'on lance des petits jeunes aussi. Ça va être très important en milieu gauche. Arrière latéral gauche aussi. Ça va être très important. Ça va être très important. Concentration, courage. Je pense qu'il y a des petits jeunes qui vont avoir leur chance. Nous, on va se retrouver pour le Slavia Prague.
Et ouais, on va faire Slavia Prague et AS Monaco. Et dans la vidéo future, ça sera ces trois matchs, je pense. Ouais, bah écoutez les amis, on va faire comme ça, on va se laisser là-dessus. C'était FM Grant. Abonnez-vous, laissez le like, laissez le commentaire, c'est très important. Je vous en remercie déjà d'avance. Et c'est tout pour cet épisode. On se dit à bientôt. Ciao les amis.